Bonjour. Maintenant, je vais présenter une vidéo sur l'étude du texte, les retrouvailles. Du livre Manuel unique, page 86, les retrouvailles. La source du texte est Odyssée. C'est un livre écrit par Homère. Alors, premièrement, on va voir de quoi parle ce livre. L'Odyssée. L'Odyssée a pour sujet le périple d'Ulysse. Il parle des périples d'Ulysse. Ça veut dire quoi? Il parle du retour d'Ulysse, le retour d'Ulysse de Troie. Ulysse revient de Troie. Qu'est-ce qu'elle a fait dans Troie? On a dit parce qu'il a participé à la guerre. À la guerre. Ulysse est un grec. Avec Ménélos, Agamemnon, Patrocle, Achille, alors ils ont déclenché une guerre contre Troie, bien les Troyens, parce que le roi Paris a enlevé Hélène, la femme de Ménélos, le frère d'Agamemnon. Alors pour la libérer, ils ont déclenché une guerre contre les Troyens. Alors, c'est Ulysse qui a réussi par ruse à faire entrer les soldats grecs à Troie. Il s'agissait d'un cheval fabriqué en bois dans lequel se sont cachés les Grecs, les soldats grecs, et ils l'ont offert aux Troyens comme un cadeau. Les Troyens, les pauvres, ont cru qu'ils ont triomphé, qu'ils ont emporté la guerre. Alors, ils font entrer le cheval et la fête commence ainsi de suite. Et lorsqu'ils dorment, les soldats grecs sortent du ventre du cheval et ouvrent les portails, les grands portails de la cité de Troie. Et les amis d'Ulysse y pénètrent, ils ont été massacrés. D'accord, malheureusement, Achille est mort. Alors, la guerre de Troie est finie. Ulysse va partir à Ithaque. Ulysse va partir où? À Ithaque. C'est quoi Ithaque? C'est son royaume, sa ville. Il va partir chez son peuple. Chez son peuple, sa famille. Alors voilà le contexte duquel parle ce livre. Alors on va parler du retour d'Ulysse, le retour. C'est-à-dire le voyage d'Ulysse de la ville de Troie vers Ithaque. La question, combien de temps a duré ce voyage? Avant de répondre à cette question, on répond d'abord. Combien de temps a duré la guerre de Troie? La guerre de Troie a duré 10 ans. Le retour d'Ulysse de Troie vers Ithaque, il a duré un autre 10 ans. L'absence totale d'Ulysse de sa maison est 20 ans. 20 ans. 10 ans de guerre, 10 ans de retour. Des ans de retour, c'est trop. Alors pourquoi c'est des ans de retour? Tout simplement parce qu'il y en a 8 ans de prison. Il est emprisonné par Poséidon, le roi des mers, parce que il a aveuglé son fils Polyphème, le cyclope Polyphème. Ulysse l'a aveuglé, alors Poséidon a comme punition, il l'a puni, il l'a emprisonné
chez les Naves Calypso pendant 8 ans. Il lui reste 2 ans. 2 ans qui lui restent. D'accord? Donc ça, ça nous donne 10 ans. Alors voilà le contexte du retour d'Ulysse vers sa maison, vers sa femme, vers ses enfants, vers son royaume, vers son peuple. Le texte, le titre du texte est les retrouvailles. Les retrouvailles. Ça, un GN, déterminant plus le nom. Revois, de quel verbe s'est dérivé ce nom, retrouvaille? Quel est le verbe tout simplement, de ce nom? C'est retrouver. Elle se compose de quoi? Elle se compose d'un préfixe, ou bien du préfixe re, et du radical trouve. Alors le préfixe re a pour signification faire deuxième fois. Faire une deuxième fois. Veut dire faire une action une deuxième fois. Lire, relire. Dire, redire. Parler, reparler. Écrire, réécrire. Dessiner, redessiner. C'est-à-dire, alors, lire, tu as lu le texte, mais le maître te demande de le lire une deuxième fois. Qu'est-ce qu'il va dire? Relis. Dis la réponse. Je l'ai dit, mais redis-la. Ça veut dire faire une chose une deuxième fois. La répétition, deuxième fois. Alors, trouver, ça veut dire il a déjà trouvé. Mais maintenant, retrouver, ça veut dire trouver une deuxième fois. Retrouvaille, ou bien la rencontre. La question qu'on va se poser, c'est qui retrouve qui ou bien quoi? Qui retrouve qui? Qui retrouve quoi? Ou bien les retrouvailles entre qui et qui? Ou bien entre qui et quoi? Bien. Alors on va commencer la lecture. Ça donné ici. On va commencer à lire. Élise regagne Ithaque. Déguisé en mendiant, il assiste aux actions des prétendants, les princes désireux d'épouser sa femme Pénélope et de prendre possession des trônes d'Ithaque. Avec son fils Télémaque, Ulysse a massacré les prétendants. Mais Pénélope, qui n'a pas revu Ulysse depuis 20 ans, ne reconnaît pas son époux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Après la première lecture, ça c'est un chapeau, ça c'est le chapeau du texte, ou bien l'entête. C'est quoi son rôle? Quel est le rôle de cette entête? Le rôle de cette entête, c'est de nous faire comprendre les événements. Comprendre le texte. Comment pour comprendre le texte? Parce qu'il nous donne le résumé des événements précédents. Alors en général, on va dire le chapeau, il situe le texte, le passage. Pour comprendre ce qu'on va lire, on a besoin de ce chapeau pour nous éclaircir ce qui s'était passé avant, pour nous mettre dans le bain. Alors, comprendre le passage, ça veut dire le texte qu'on va lire, ce chapeau-là va nous aider. Qu'est-ce qui s'était passé avant? Alors, avant, qu'est-ce qui s'était passé? Ulysse est arrivé près de sa ville.
Il est arrivé près de la ville, on a dit, c'est Etak, Etak. Il est arrivé à Etak. Mais avant d'entrer dans sa ville, parce qu'à cette époque, parce que les villes, là, le texte, l'Odyssée, est écrit au Moyen Âge, il faut dire ça. Nous avons ici la préhistoire, après la préhistoire, l'Antiquité. C'est l'Antiquité qui écrit le texte, pardon. Alors, le texte est écrit, c'est Odi, à cette époque, est écrit ce texte. C'est l'Antiquité. Je me suis trompé, le Moyen Âge. Le Moyen Âge. Nous avons l'époque moderne. Oui, moderne. Après, nous avons l'époque contemporaine. Ça veut dire notre époque. Ici. À l'Antiquité, ce texte a vu le jour. Qu'est-ce qui caractérise l'Antiquité? Pourquoi on a désigné cette époque d'Antiquité? Tout simplement parce que l'homme a commencé à écrire, à écrire. Alors j'ai dit, à cette époque, les villes ont des remparts, des remparts. Voilà, les villes sont de cette façon, à vers les remparts et les tours avec des créneaux, comme la ville, notre ville de Disney. D'accord? Nous avons une porte, ça veut dire la ville a une grande muraille, d'accord? Il y a une grande muraille et c'est difficile d'y entrer, c'est difficile d'y accéder. Il y a toujours des gardiens devant les portes. On peut trouver même hindou. Il y a ici, là, de l'eau qui entoure la cité. D'accord? Alors, pour accéder, c'est-à-dire entrer, il y a une seule porte. Pour accéder à sa ville, Élise s'est déguisé. S'est déguisé en mendiant. Pardon? S'est déguisé en mendiant. Il s'est déguisé en mendiant. C'est quoi se déguiser? Changer de forme, cacher ses caractéristiques, ses traits, modifier ses traits pour ne pas être reconnaissable par les autres. Alors, il s'est masqué. Alors, s'est déguisé en quoi? En mendiant. Mendiant, c'est la personne qui demande la charité. Personne qui demande de la charité. Il demande de la charité. La personne qui demande l'argent aux autres, il tend la main dans la rue dans le but que quelqu'un lui donne un peu d'argent pour se nourrir, se soigner, s'acheter des habits, ainsi de suite. Ça veut dire c'est un pauvre qui n'a pas d'argent, qui ne travaille pas suite à un handicap ou bien quelque chose dans une maladie. Est-ce que c'est clair? Alors, pour entrer à cette ville, Élise a changé, a caché ses traits, ses caractéristiques. Ça veut dire il s'est déguisé en quoi? En mendiant. Une personne pauvre qui demande de l'argent. Comment va-t-il être? Tout simplement. Alors, il va, pour se changer en mendiant, Élise doit mettre les habits des mendiants. Alors, il va mettre les habits, va mettre les habits des mendiants. La question, comment sont ces habits? Premièrement, on va dire, sont les habits sales,
son déshabit, pardon, usé, son déshabit râpé, son déshabit déchiré, son déshabit en haillon. Pour avoir la pitié des personnes qui donnent, des donneurs de l'argent, pour toucher leur cœur, l'état du mendiant doit être médiocre, doit être catastrophique, parenthèse. Alors, qu'est-ce qui montre, qu'est-ce qui distingue le mendiant des autres? C'est surtout l'état de ses habits. Alors, sale de quoi? Sale de tâche. D'huile, de l'eau, ainsi de suite. Sale de poussière. On peut trouver de la poussière. Usé, ça veut dire parce qu'il n'a pas d'autres habits, il a juste cet habit qu'il met, alors il l'utilise toujours, il va être comment? Il va être usé, il va être démodé, désuyé, démodé, il va être ancien, très ancien, il va râper parce qu'il se frotte contre le mur, lorsqu'il s'adosse au mur, lorsqu'il s'assoit toujours sur les pierres, sur les places rudes, comment va être cet habit? Il va être râpé à cause du frottement contre un objet qui est solide, enfin, simplement. Déchiré, parce que là, s'il sent usé, il l'utilise toujours, il est râpé, alors un jour ou l'autre, il va être déchiré. C'est aussi à cause du soleil. Le soleil aussi rend l'habit usé et déchiré parce que lorsque le pauvre se déplace d'un coin à l'autre sur le soleil pour demander de l'argent. En ayant, parce que si une place est déchirée, il va y mettre un autre morceau de tissu, il va le coudre dans cette place déchirée. Alors, c'est un habit multicolore, c'est-à-dire plein d'ayant. La question, pourquoi Élis a-t-il besoin de se déguiser pour rentrer dans sa ville? La réponse est dans le texte, toujours dans le chapeau, pardon. Alors, il s'est déguisé en mendiant et assiste aux actions des prétendants. Lorsqu'il s'est déguisé en mendiant, il va voir quoi? Assister, ça veut dire voir, être près d'eux. Il voit par ses propres yeux, il assiste aux actions des prétendants. J'écris en majuscule, des prétendants. Les prétendants, c'est la personne qui veut conquérir le cœur, conquérir le cœur d'une femme, un séducteur, prétendant. Alors, il assiste à quoi? Aux actions des prétendants. Ça veut dire, il voit lorsqu'il est entré maintenant, qui est entré à l'étape. C'est un mendiant. Il est sous la forme d'un mendiant. J'ai oublié de dire, il doit cacher les traits de son visage. Il doit mettre un maquillage. Maquillage, entre parenthèses ici, peut-être de la poussière pour cacher son visage. En plus, il va avoir une longue barbe à cause de son absence, de sa longue absence. Alors, le mendiant est entré, entre parenthèses, il est entré dans l'état. Personne ne l'a remarqué. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Hein, c'est juste un mendiant. Qui est entré? C'est juste un mendiant. Les gardiens vont le laisser et l'entrer. Alors, lorsqu'il est entré, qu'est-ce qu'il a vu? Il a assisté à quoi? Il a assisté aux actions des prétendants. Ça veut dire quoi? Tout simplement, il assiste, il voit de près tout ce que font ces personnes-là qui veulent conquérir le cœur d'une femme. Mais on va continuer pour
augmenter dans l'action, les princes désireux d'épouser sa femme. C'est-à-dire, ces prétendants-là, beaucoup de personnes veulent conquérir le cœur de qui? De la femme d'Ulysse. Elle s'appelle comment? Pénélope. Pénélope. Alors, pourquoi Ulysse est entré en mendiant? En mendiant, c'est déguisé en mendiant pour entrer à l'État. Tout simplement pour voir ce que font les prétendants. Il veut te voir. Il n'a pas besoin d'entendre d'une autre personne. Il veut voir de ses propres yeux. Alors, quels sont ces prétendants? Ce sont des personnes qui se compètent pour épouser Pénélope. Pénélope est qui? Et la femme d'Ulysse. Pénélope n'a pas vu son mari depuis 20 ans. Pourquoi ces personnes-là veulent se marier avec Pénélope? Tout simplement parce qu'Ulysse est absent pendant 20 ans. Alors, qu'est-ce qu'on croit? Que croit le peuple et tout le monde? On croit que Ulysse est mort. Ou à la guerre de Troie. Mais le retour de Ménélas et Agamemnon, valeur annoncée, par exemple, ces deux personnes-là, ou bien les autres, veulent leur annoncer que Ulysse n'est pas mort. Il est revenu. On l'a vu autour. Alors peut-être il est mort sur le chemin du retour, parce que 10 ans de retour, là, il y a un problème. Peut-être il est mort sur le chemin. Peut-être il a abandonné son royaume, il en a créé un autre, abandonné. Parce que là, j'ai dit le début, l'Odyssée parle du périple d'Ulysse. C'est quoi ce périple? Ça veut dire lorsque Ulysse est revenu, il a affronté beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, beaucoup de pièges. Alors, il a rencontré le cyclope. Les cyclopes les mangent. Chaque soir, il les enferme dans la grotte par une pierre que ni Ulysse ni ses compagnons n'arrivent pas à déplacer. Alors, chaque soir, lorsqu'il retourne du pâturage, il mange un compagnon d'Ulysse. Pas rise encore, parce que c'est le génie du rire, il s'en sort. Il a rencontré les sorcières, il a rencontré la sirène, il est emprisonné. Alors, il a beaucoup de périples, ça signifie là, ici, automatiquement, les gens vont dire, le peuple va dire, surtout sa femme, il est mort, peut-être il est mort. Il y a aussi, on veut dire, voilà, il s'est perdu. Peut-être il s'est perdu, ainsi de suite. Alors, les prétendants veulent et désireux d'épouser sa femme, Pénélope, et de prendre possession du trône d'État. Est-ce qu'ils veulent seulement se marier avec Pénélope? Mais ce n'est pas Pénélope qu'ils désirent seulement, mais avoir le trône. Le trône, je l'ai dit minuscule, le trône d'État. C'est quoi le trône d'État? Le trône d'État. C'est quoi le trône d'État? Ça signifie ils veulent être roi d'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils veulent prendre la place d'Ulysse. Ils veulent prendre la place d'Ulysse. 20 ans d'absence, il ne va pas revenir, il ne va pas revenir. Bien. Alors. Prendre, ça veut dire devenir roi d'Ithaque, avec son fils, Télémaque. Lorsque Ulysse est entré en mendiant, personne ne l'a reconnu. Personne. Mais lui, il connaît les gens. Parce que lui, il s'est déguisé, mais les gens ne sont pas déguisés. Alors, il connaît tellement dans le monde. Il distingue même son peuple, il distingue les prétendants, alors automatiquement, il va reconnaître son fils, Télémaque. Il a vu Télémaque, alors il a discuté avec lui, alors il lui a dit, voilà, je suis ton père, etc., j'ai pris cette forme, ainsi de suite. Il va raconter brièvement sa petite histoire, ça veut dire à l'entrée d'État tout simplement. Pourquoi il a fait ce qui s'était passé, pourquoi il s'est déguisé au mendiant. Alors, les prétendants, les places des prétendants, ça veut dire ils vont préparer le plan d'attaque. Et le fils, il va être son bras droit, qui va lui montrer
tous les secrets, tous les coins où se cachent les prétendants, leurs gardiens, et ainsi de suite. Ça veut dire ici comment Élie s'est entré à état comme un espion. Un espion qui étudie, c'est comme une caméra qui voit, qui étudie les coins où se trouvent ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font, etc., où habitent, ainsi de suite. Alors avec son fils Télémaque, Élie a massacré les prétendants. Élie, avec son fils, ils ont tué les prétendants. Alors, Élie, Télémaque, Pénélope. Voilà, la famille est complète. Avec son fils Télémaque, Élie a réussi à massacrer, à tuer tous les prétendants qui veulent prendre sa place et sa femme et toute la vie, la ville. Mais Pénélope, qui n'a pas revu Élie depuis 20 ans, ne reconnaît pas son époux. Qu'est-ce qui s'était passé? Élie s'est absenté pendant 20 ans. Il est revenu, il a reconnu Télémaque, Télémaque l'a reconnu, il a massacré les prétendants. Il va aller où? Il va aller à sa maison. Chez qui? Chez Pénélope. Mais Pénélope dit non, tu n'es pas Élie. Ne veut pas le reconnaître. Pourquoi? Tout simple. Alors, 20 ans d'absence, elle s'est patientée. C'était une bonne femme, elle a de la patience. Et là, il ne croit personne. Juste son cœur. Son cœur attend toujours le retour d'Élie. Et si Élie va revenir un jour. Alors, pendant ces 20 ans, si il croit quelqu'un qui lui dit Élie, il s'est déjà marié. Il a des prétendants qu'il la cherche depuis longtemps. Si l'un de lui dit qu'il est Élie, il va l'épouser depuis longtemps. Alors c'est la même chose. Lorsque Élie s'est présenté et on lui a dit que c'est Élie, il a dit non, ce n'est pas Élie. Élie, je ne vais pas le reconnaître rapidement. Non. C'est une femme sage, intelligente. Pour le reconnaître, il a besoin d'un fait. Il a besoin d'un contrôle, d'un test. Bien, alors, on va commencer le texte maintenant. Mais Élie, ce grand cœur, était entré chez lui. Élie, après avoir tué les prétendants, il va aller chez Pénélope. Le baignant, le frottant d'huile, son intendante renommée l'avait revêtu d'une robe et d'une belle écharpe. Alors là, nous avons renommée. Qui est renommée? C'est renommée. C'est sa servante, sa femme de chambre, d'accord? Alors cette femme de chambre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a nettoyé Élie. Élie est très sale parce qu'il a pris la mer. Alors il a la saleté de la mer. Il a encore même salé par l'eau de mer. Salé, ça veut dire parce qu'il y a l'eau de mer et contient du sel. Alors, le corps sale est salé en même temps. Alors, il est bronzé par le soleil et l'eau de mer en même temps. Alors, les rayons du soleil plus l'eau salée de la mer changent la peau, rendent la peau des êtres humains dure et rude. Alors, et il a une grande barbe, il est devenu brun, d'accord, les cheveux ébouriffés, non coiffés. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, la prétendante? La prétendante a tout nettoyé, a bien nettoyé cette personne. Il lui a donné les habits propres. Alors, le frottant d'huile. Pourquoi l'huile? Parce que son corps est devenu rude, d'accord? En plus, il est sec, sa peau, je veux dire. Sa peau est devenue sèche, elle est rude. Alors, il faut la rendre lisse. Ce n'est pas par l'eau, mais par l'huile. Alors, il l'a frottée par l'huile pour rendre la peau lisse et brillante. Et brillante, comme jadis. Le frottant d'huile, son intendante, tendant ici, nourrice, renommée, l'a revêtue.
Il est déjà vêtu, mais il est vêtu de quoi? Des habits d'un mendiant. Alors maintenant, il va le revêtir. Revêtir, ça veut dire le rabbi, il lui a donné des habits et une robe. Parce que la robe, c'est quelque chose qui est long. C'est une seule pièce. La chose qui est longue, qui couvre tout le corps, pour ne pas dire que c'est la femme. Et d'une belle écharpe. Une écharpe magnifique, magnifique sur sa tête. Athéna, alors. Lorsqu'il lui a donné la robe, il a mis une belle robe, son corps est devenu lisse et brillant, il projette, il propage une odeur agréable. Et alors, maintenant, Athéna va intervenir, la déesse va venir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé sur sa tête. Qu'est-ce qu'il a versé sur sa tête? Et là, Athéna répondait la beauté. Répondait, c'est propager. Répondre avec A. Répondre. Répondre. Avec A, ce n'est pas avec O. Répondre avec O, c'est de répondre à la question. Répondre avec A, c'est propager, éparpiller, disperser. Alors, elle a répondu quoi sur sa tête? Elle a répondu la beauté. La beauté. Alors j'ai dit, lorsqu'il est revenu, il était longtemps sur l'eau de mer qui est salée, il a les rayons du soleil, en plus il ne change pas ses habits, il ne mange pas bien, il y a la poussière lorsqu'il descend, il passe par, sur les, il descend sur les îles, il y a le, qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Il ne change pas d'habits, je l'ai dit. Peut-être il y a des taches, lorsqu'il, ça veut dire l'absence, il y a des, sa barbe et tout ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Athéna? Il lui a redonné, il a versé la beauté sur son corps. Il est devenu beau, comme avant, et le faisant apparaître est plus grand. Ça veut dire qu'il a récupéré sa forme, est plus grand et plus fort. Il a récupéré sa grandeur, sa forme réelle, sa valeur aussi. Ça connote la valeur, et aussi la force. Voilà, Ulysse maintenant est renaît. Voilà Ulysse de nouveau. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pénélope accepte de reconnaître Ulysse et demande aux renommées de préparer leur lit en assemblant le cadre. En le voyant, Pénélope a des doutes. Il pense que peut-être ce n'est pas le vrai Ulysse. Alors, pour le reconnaître vraiment et admettre qu'il s'agit d'Ulysse, il va lui préparer un piège, un test, un contrôle. S'il réussit à ce contrôle, bien ce test, à ce piège, s'il le dépasse, c'est Ulysse. C'est quoi ce piège? Alors, Pénélope demande à la nourrice, à la servante, au renommé, de préparer le lit. De préparer le lit en assemblant le cadre, c'est un piège. Ulysse est le seul homme à savoir que le cadre de ce lit est impossible à déplacer ou à démonter. Alors, lorsque Eurynomé a nettoyé, a frotté, a rendu la peau d'Ulysse lisse et belle, et lorsque Athéna, il l'a bien habillé de beaux habits, de beaux habits. Et lorsque Athéna a répondu la beauté sur sa tête, il l'a rendu fort et grand. Pénélope, ça veut dire tout le monde a reconnu Ulysse, sauf Pénélope. C'est une femme forte. Elle n'écoute pas seulement le cœur, mais la raison. Elle ne cède pas facilement. Alors, s'il cède facilement, il va être piégé par les prétendants. Mais non. Alors, lorsqu'elle a vu Ulysse, un piège, test, passe le test devant moi. Tu as réussi, oh, tu es Ulysse. Alors, qu'est-ce qu'elle a demandé au renommé? Il lui a demandé de préparer le lit. Alors, pourquoi le lit? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il y a dans ce lit?
Quel est le secret de ce lit? Alors, le secret de ce lit, c'est qu'il est difficile, il est impossible de le démonter. Impossible. Et la seule personne qui sache que ce lit est indémontable, c'est Ulysse, qui détient le secret de ce lit, et Ulysse. Si Ulysse veut le démonter, etc., alors ce n'est pas Ulysse. S'il dit non, il ne se démonte pas, alors directement il a réussi son test. À cet instant, Pénélope va dire bonjour, maman. Il va reconnaître son mari. Impossible à déplacer, à démonter, car c'est lui qui l'a fabriqué. Qui a fabriqué ce lit? C'est Ulysse. Qui détient le secret de ce lit? C'est Ulysse. Alors, à partir d'un olivier poussant au milieu de sa chambre. L'olivier, c'est le symbole de la paix, le symbole de la beauté, le symbole de la verdure, le symbole de la récolte, le symbole de la richesse. Il est poussé au milieu de la chambre. Grâce à cet olivier, Ulysse a fabriqué le cadre du lit qui ne se démonte pas. Prépare d'un olivier poussant au milieu de la chambre, et là, il l'a expliqué à Pénélope. Qu'est-ce qu'il a expliqué à Pénélope? Il lui a dit, ce lit ne se démonte pas. Ici, c'est comme un compte. C'est comme un passeport. D'accord? C'est comme un compte secret. Alors, Ulysse a expliqué à Pénélope que ce lit ne se démonte pas, et automatiquement, cette personne belle, forte et grande qui est devant Pénélope, et Ulysse, et maintenant Pénélope va reconnaître son mari. Dans ce paragraphe, Pénélope va le reconnaître. Ça veut dire Ulysse, on va voir, il a beaucoup souffert. Mais il est revenu à Ithaque, comment? Sa femme a protégé sa ville. Il n'a pas cédé aux avances, aux cours et aux poèmes, aux chansons des prétendants qui veulent l'épouser. Parce qu'ils ne veulent pas seulement l'épouser, mais ils veulent le trône. Parce que Pénélope, c'est le symbole de la ville. C'est la reine qui prend la place d'Ulysse pendant son absence. Mais si Ulysse ne revient pas, automatiquement, il faut choisir un roi pour cette ville. Ce n'est pas une femme. Mais cette femme-là a un cœur dur, très fort. Et il croit en quoi? Il croit à ce que son mari va revenir. Il ne croit pas tout ce qu'on lui raconte. Que son mari est mort, 20 ans d'absence, c'est long, madame. Il est mort, il vous a abandonné. Il a construit un autre royaume. Il était emprisonné par les dieux. Il était emprisonné par les sirènes, ou bien les sorcières, ou bien il était mangé par un polyphème, le cyclope. Mais la femme connaît son mari. Il a quoi? Qu'est-ce qu'il a, son mari? Il a la ruse. Ce n'est pas seulement la force. Il a la ruse. Il est intelligent. Il est futé. Alors, elle sait que son mari va revenir. Son cœur lui dit, ton mari va revenir. Et il agit par sagesse, par raison, par analyse. D'accord? Il analyse les choses. Alors, il analyse jusqu'à la dernière minute lorsque cet homme se présente devant elle. Il lui a dit « démonte le lit » et il lui a expliqué que c'est indémontable. Alors, automatiquement, voilà, enfin, il va soupirer. Il va dire « ouf » de soulagement. Il va « enfin, voilà, mon mari de retour. Tout va devenir calme, va récupérer sa forme initiale. Les éléments vont prendre leur cours, comme on dit. » Pénélope sentait se dérober ses genoux. Ça veut dire quoi? Alors, ses genoux ne peuvent plus la supporter. Elles se fléchissent, elles frémissent. Parce que 20 ans d'absence, elle revoit son mari. Ah, c'est un miracle. C'est formidable. Alors, c'est ça les retrouvailles de longue période. Après 20 ans, de retrouver son mari devant elle, fort, beau et grand, bien habillé, comme s'il est sorti une minute et revenu. Alors, ses genoux et son cœur palpite, il bat très très fort, il bat d'amour, parce que c'est l'amour. Et alors, avant tout, il y a l'amour. Avant tout, il y a l'amour, je dis. Deuxièmement, il va arrêter de...
ses responsabilités, parce qu'il assume toute la responsabilité de la ville. Il y a quelqu'un maintenant qui va prendre ses rôles. Il va plus avoir peur de ses prétendants. La famille se réunit. Il y a beaucoup de choses. Il y a la joie qui est revenue à la maison. Alors, elle avait reconnu les signes évidents. C'est quoi évident? C'est vrai, authentique. Les signes évidents. Évident, c'est authentique. Authentique. Réel. Les signes réels, les vrais signes de son homme, les vrais signes d'Ulysse. Elle a reconnu tout simplement son mari. Cet homme qui est devant elle est son mari. Alors, que lui donner Ulysse? Pleurant. Alors, il y a ici les larmes. Il va sangloter, pleurnicher, larmoyer. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire les larmes de quoi? Les larmes de joie. Ce sont les larmes de joie de retrouver son mari. Ce sont les larmes de soulagement après toute la souffrance qu'elle a subie avec son fils et tout son peuple à cause des prétendants. Bien. Alors, évident que lui donne Ulysse, pleurant et s'élançant. Elle se lance par joie pour enlacer son mari. Il se lance, il se rue, entre parenthèses, comme un animal. Il s'élance vers lui et lui jetant les bras autour du cou, en le baisant au front, son Ulysse, il dit. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Une fois il a reconnu les signes évidents de son mari, il a reconnu qu'il s'agit de son mari, elle pleure. Il s'élance vers lui, il lui entoure les bras autour du cou, il l'embrasse. Alors là, cette phrase-là, ou bien tout ce paragraphe, c'est « et les retrouvailles après 20 ans ». 20 ans de souffrance pour Ulysse, il veut arriver, à chaque fois il y a un problème. 20 ans de souffrance pour Pénélope à cause des prétendants. 20 ans aussi de souffrance pour Télémaque qui grandit, chaque fois il grandit, il ne reconnaît pas, il n'a pas de paix, de père. Alors qu'est-ce qu'elle a dit Pénélope? Ulysse, excuse-moi. Premièrement, on garde une femme bien éduquée, une femme sage, une femme de haute société. Il demande premièrement le pardon. Alors, toujours, je t'ai connu le plus sage des hommes. Le plus superlatif, ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est sage comme toi. Nous comblons de chagrin, les dieux n'ont pas voulu nous laisser l'un et à l'autre jouir au début âge et parvenir ensemble au seuil de la vieillesse. Alors, combler, c'est charger. Combler, dans le sens de charger. Charger. Deux. Alors les dieux les comblent de souffrance. Ça veut dire ils ont jeté la charge de souffrance sur eux. Il y a beaucoup de souffrance. Ils souffrent. Toute la souffrance qui va subir toute cette souffrance, c'est Ulysse et sa femme Pénélope. Chacun de son côté. Alors les dieux les ont séparés et ils ne veulent pas, selon l'explication de Pénélope, réjouir, profiter du bel âge. Le bel âge, ça veut dire la jeunesse. Alors le bel âge, ça veut dire la jeunesse, le bel âge. Simplement, c'est la jeunesse, la jeunesse. Parce qu'ils se sont séparés jeunes. Et 20 ans, là, 20 ans, c'est trop. S'ils ont 20 ans chacun, après, ils vont avoir 40 ans. Alors, les dieux les ont comblés, les chargés, les ont accablés de souffrances, de ceci, de problèmes, de douleurs. Ils les ont séparés. Alors, ils n'ont pas profité de leur jeunesse. Ils n'ont pas vécu leur jeunesse. Et ne les ont pas laissé parvenir. Parvenir, ça veut dire arriver,
accéder, parvenir, arriver à quoi? Arriver au seuil de la vieillesse. Ça veut dire s'approcher de la vieillesse, à la porte de la vieille, de la vieillesse, au pas de la vieille, de la vieillesse. Alors voilà, première partie. Mais aujourd'hui, ça veut dire à ce moment-là que je te vois, le moment de cette discussion, pardonne et sois son amertume. Pardonne-moi de ne te pas avoir reconnu depuis le début et ne t'énerve pas. Si du premier abord, ça veut dire première vue, première rencontre, lorsque je t'ai vu une première fois, au début simplement, je ne t'ai pas fêté, je n'ai pas célébré ton accueil, je ne t'ai pas accueilli chaleureusement. Parce qu'on a dit, tout le monde a reconnu lui, sauf Pénélope, il hésite. Dans le fond de mon cœur, regardez bien l'analyse de Pénélope, le fond, veillez toujours la crainte qu'un homme ne me va abuser par ses comptes. Quel est le souci de Pénélope? Elle a peur que quelqu'un la conquérisse. Elle a peur que quelqu'un s'empare de son cœur. Elle a peur tout simplement de tomber amoureuse de quelqu'un. Ou bien, il a peur qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre qui lui, tout simplement. Au fond de mon cœur, veille toujours la crainte. Il y a toujours la crainte. Il a peur. Il a peur que quelqu'un la séduise par ses paroles, par ses avances, par ses cours, par ses chansons. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque quelqu'un se prétend dans l'un des prétendants lui dit des beaux mots. Il va conquérir son cœur. Il va se céder, il va l'aimer, il va l'épouser. Alors il a peur, ça veut dire qu'il y a une souffrance. Et la pauvre Pénélope souffre en silence. Veillez toujours la crainte qu'un homme ne me va abuser, profiter de moi. Abuser, ça veut dire profiter par ses comptes. Bien, il est temps de méchants qui ne songent que ruse. Regardez bien la sagesse, la phrase philosophique de un adage, comme un proverbe. Qu'est-ce qu'elle a dit, cette grande femme? Elle a dit, il y a beaucoup de gens, de méchants gens. Dans notre vie, il y a beaucoup de méchants gens qui ne pensent qu'à la ruse pour atteindre leur but. Alors, quel est le but des hommes, des prétendants qu'on a dit? C'est épouser Pénélope. Est-ce qu'ils veulent Pénélope? Non, Pénélope, c'est comme un pont. Un passage pour atteindre le trône. Alors, il y a tant, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a beaucoup de méchants gens qui veulent atteindre leur but juste par la ruse. Ça veut dire tout ce qu'ils disent, toutes leurs paroles, toutes leurs actions ne sont que des pièges, ne sont que des tromperies. Alors, ne sont que des ruses. La parole dans ce texte-là, la parole du Pénélope est finie. Comment va être Élise à votre avis? Elle va être émerveillée par la façon d'analyse de sa femme. Oh, quelle est cette femme? C'est une philosophe. C'est une sagesse. C'est une dièse. Oh là là! Il a dit des paroles fantastiques. Des paroles extraordinaires. La parole d'analyse, comment il voit la chose? Il parle par sagesse, mais il y a quelque chose dans le cœur. Mais Élise, à ces mots, prit d'un plus vif besoin de sangloter. Élise est devenu faible devant cette grande femme. Il a envie de pleurer. Pleurer. Il tenait dans ses bras la femme de son cœur. Il tenait dans ses bras la femme de son cœur. La femme qui a sauvé Ithac. La femme qui a résisté aux contes des prétendants, aux paroles des prétendants. Qui a supporté toute son absence. Qui l'attendait depuis 20 ans. Il sait qu'est-ce qu'elle a découvert. Que cette femme est fidèle. Cette femme est loyale.
cette femme une grande valeur. Alors, il tenait dans ses bras la femme de son cœur, sa fidèle compagne. Sa quoi? Sa fidèle compagne. La seule qui est fidèle pour lui. Voilà. Ça, c'est la réaction d'Élie. D'Élie, en entendant les paroles bien après, après les retrouvailles. Alors, l'horreur, c'est un personnage ici, au doigt de rose, les eut trouvés pleurant. L'horreur ici désigne l'aube. Ça veut dire le jour va se lever. La première lueur du jour, la petite lueur, c'est le passage entre la nuit, la noirceur, et la la lumière. Il y a une petite dégradation. La nuit, la noirceur s'incline vers la lumière, l'éclairage. Alors, l'aube, c'est ce Dieu qui s'occupe de l'aube. Alors, l'horreur est venue, ça veut dire ce Dieu qui s'occupe de l'aube, d'arrêter la nuit, elle est venue, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu que Élie et sa femme sont en train de pleurer. Sans l'idée, Katina, la déesse aux yeux perses, ça veut dire entre le bleu et le vert, eut d'allonger la nuit qui recouvrait le monde. Elle retint Horreur au bord de l'océan, près de 130 ans d'or. Alors, lorsque Élis a rencontré sa femme, lorsque la femme a demandé pardon de ne pas l'avoir reconnue, lorsqu'elle lui a expliqué toute la situation, lorsqu'elle lui a expliqué, lui a montré les coupables qui les ont séparés, ça veut dire les dieux, Élis veut pleurer. Et qu'est-ce qui va venir? C'est l'horreur. Le matin va se lever. Cela montre quoi? Cela montre que les deux personnages, bien ces personnes-là, ont beaucoup discuté, mais ils n'ont pas montré. Ils ont discuté toute la nuit. Parce que, comme on dit, la nuit donne conseil. Ils ont discuté toute la nuit. Mais l'horreur, lui, le dieu de l'aube, il va dormir, il va pleurer, il va accomplir sa tâche. Sinon, Zeus va le punir. Alors, il est venu pour arrêter la nuit. Mais malheureusement, Athéna ne veut pas arrêter quoi? Cette scène émotionnelle. Il ne veut pas arrêter ses retrouvailles où il y a les sensations. Cette belle rencontre. Il ne veut pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il veut que la nuit soit longue. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque l'horreur est venue, Athéna l'a attrapé. Elle a attrapé le dieu de l'horreur. Il l'a fait quoi? Il l'a emprisonné dans près de 130 dans son palais, 30 d'or. Est-ce que c'est clair? Pourquoi? Pour prolonger la nuit, pour profiter de cette scène émotionnelle, amoureuse, belle, de se retrouver. Ils s'en sont absentés 20 ans. Alors, il faut leur donner beaucoup de temps pour discuter. Alors voilà, c'est tout pour ce texte. J'espère que toutes ces explications vous ont plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour mieux m'encourager à mieux bien travailler. Merci beaucoup, chers élèves. Au revoir.